Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Cuisine de Laura. Je vous présente aujourd'hui dans un petit format court et bien ma recette de gâteau yaourt. Et n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir un maximum et évidemment à vous abonner. Merci! Pour les ingrédients, vous avez besoin de 3 œufs entiers, 2 yaourts faits maison en yaourtière, 100 g de sucre, 100 g de farine, 50 g de beurre et quelques amandes effilées pour la décoration par-dessus. Après avoir battu les œufs, il suffit d'ajouter juste le sucre et de fouetter énergiquement. Puis on ajoute les 50 g de beurre que j'ai fait fondre au préalable. Puis pour la farine, ajoutez-la petit à petit pour éviter les grumeaux. En tout cas, moi c'est ma petite technique et franchement je n'ai jamais de grumeaux. Et voici mes petits yaourts faits maison avec une yaourtière classique. Donc voilà, ils sont sans sucre ajouté, sans aucun sucre et c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on en fasse une vidéo ensemble pour vous montrer comment on fait à la yaourtière, bah, dites-le moi en commentaire. Et voilà, je les ajoute du coup au reste de ma préparation tout en les goûtant et c'est trop bon. Ajoutez juste un petit sachet de levure chimique et remuez. Pour ajouter un petit peu de croustillant, alors c'est juste parce qu'il m'en restait, je vous avoue. Et pour les finir, voilà, je mets quelques amandes effilées du placard eh bien, dans la recette. Vous n'êtes pas du tout obligé, voilà, si vous voulez la recette 100% nature, vraiment vous faites comme vous le souhaitez. Pensez à bien beurrer le plat et surtout lavez-vous les mains juste avant. Et pour finir, eh bien, ces fameuses amandes effilées, on en met quelques-unes encore en décoration. Et croyez-moi, c'est très très bon. La préparation est enfin terminée, voilà, j'ai hâte de goûter ce gâteau, j'espère que vous aussi. Il reste plus qu'à faire cuire une bonne demi-heure à 180 degrés au four, et puis on se régale. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la recette, même si vous l'avez refaite également à la maison, et puis aussi si vous avez envie qu'on fasse une autre recette ensemble. Eh bien, il n'y a pas de souci, mettez-moi un petit commentaire et je vous répondrai aussi vite. Merci beaucoup et à bientôt !